Bon, bah, a priori le son ça fonctionne. Allez, je vais juste virer un petit monitoring. Parce que je supporte pas de m'entendre parler. Enfin, c'est pas que je supporte pas, c'est que j'ai un petit peu assuré. Oh, putain, j'ai lancé à l'arrache. C'est incroyable. Est-ce que... Allez, deux secondes. La caméra, faut pas déconner. Ah, ça devrait aller. On y arrive. C'est une boucherie. Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 2 février, on est déjà mois de février, je sais pas si vous vous rendez compte. Janvier est déjà passé à une vitesse de taré. Du coup, c'est... ça va être court et à l'arrache ce soir, parce que franchement... je sais que j'avais dit que je finirais le script Python. Là, pour la petite histoire, j'ai réussi à lancer pas trop tard, mais... parce que je viens de m'endormir, je viens de me réveiller, je me suis endormi sur mon canapé, là je viens de faire une sieste d'une heure, ce qui fait que je vais passer une nuit désastreuse, je pense. Mais bon, c'est pas... tant pis, hein. On va le faire comme ça. Qu'est-ce que... Alors, j'ai mis quoi dans la description? J'ai dit, ouais, au lieu de discuter Python, OVH, DNS, comme la dernière fois, parce que je voulais... Enfin, pas DNS, mais alias mail. Je terminerai ça plus tard. Je voulais... discuter, vite fait... De quoi? De plusieurs choses. J'ai mis quoi? Monitoring Livebox, ouais... L'intro sur le partage de fichiers temporaires aussi. J'avais dit que j'avais fait, j'ai préparé une liste avec 4-5 outils. Il y en a un notamment, c'est Nextcloud. Je pense que là ce soir, du coup, je vais faire l'impasse. Hein. On va pas déconner. Encore que je pourrais le tester parce que suffirait de relancer. Normalement, j'ai toujours la machine virtuelle que j'avais utilisée pour le. Pour la synchro de calendrier de contact pour le téléphone. Donc je pense que ça peut peut-être se faire. Non, sur quoi je voulais revenir vite fait. Est-ce que j'avais fait sur quoi j'ai. Il y a quelque chose dont je voulais parler et j'ai fait exprès de me retenir d'en parler sur Twitter. Et comme je suis pas réveillé, ça va être un peu terrible. Non, je suis toujours... là, a priori, il n'y a pas encore grand monde pour discuter, donc du coup, c'est un peu compliqué de relancer un débat sur mon futur NAS. J'arrive toujours pas à me décider à soit j'achète un NAS tout fait... pour me faciliter la vie et parce que potentiellement la consommation sera quand même assez optimisée ou j'achète de quoi tout faire à la main et j'utilise Open Media Vault ou FreeNAS en fonction de... enfin TrueNAS pardon maintenant en fonction de ce que ça fait. Pour l'instant je suis quand même toujours sur une hypothèse je vais acheter tout fait pour plusieurs raisons, je vais vous les montrer. Desktop. Il n'y a rien qui marche. Il trouve plus le bureau. J'ai lancé OBS, j'avais pas de son. Là, je veux changer de scène, je vois qu'il se passe plus rien. Alors c'est quoi ce délire? Il est où le desktop 1? Parce qu'à tous les coups, il a perdu le. C'est quoi l'idée? Ah oui, mon golo, alors. Capture le... Ok, on y est.
Bon, voilà. Donc ouais, je suis tombé là-dessus. Donc je sais plus si j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter. Au niveau de mon NAS, j'ai envie qu'il soit donc déjà relativement silencieux. Ça, souvent, ça va, c'est le cas. Même avec des disques durs à plateau dedans, il y a moyen que ce soit quand même mesuré. Honnêtement, celui que j'ai actuellement, j'ai trois disques dedans et je l'entends pas. Mais le NAS que j'ai actuellement, son gros problème, c'est son processeur. C'est une catastrophe. Pour être poli, on va dire comme ça. En même temps, c'est un entrée de gamme qui date quand même pas mal. Puisque là, on est sur un 3304 TV2. Moi, je suis sur un 1004 TV2. Et j'avais eu l'occasion d'en parler, notamment par rapport à Minayo, où en fait, pour lancer un Minayo dessus, j'étais bloqué à une version de 2020 parce que l'image Docker était bloqué pour ARM V7. Et je pouvais pas aller au-delà de 2020, parce que depuis 2020, les images Minayo, elles sont plus compliquées que pour du ARM 64 bits, donc du ARM V8 et plus. Donc du coup, j'étais coincé. Ce NAS-là corrigerait le problème. En plus, là, il n'y a pas sur les photos, mais il me semble... Alors là, il n'y a pas de photos non plus. Est-ce que j'avais gardé des photos ? Je suis tombé sur des photos où en fait voilà, la façade s'enlève et en fait vous avez des tiroirs devant qui vous permettent de dégommer le. Enfin, de pouvoir changer les disques, les ajouter, etc., les retirer s'il y a besoin, sans avoir besoin d'éteindre et de démonter le NAS comme c'est le cas actuellement sur le mien. Et ça, ça apparaît pas sur les photos. Et quand on veut se fabriquer un NAS maison, trouver un boîtier qui fait ça. C'est vraiment très compliqué. Le seul que j'ai trouvé, que j'avais trouvé, qui était relativement facile à acheter, en France, en tout cas en Europe, j'avais un peu galéré là-dessus, et c'était ce truc-là. Bon, là, on voit qu'il est indisponible, donc en plus, on peut même plus le trouver. Donc là, on a vraiment un boîtier avec les... Donc à l'horizontale, pour le coup. Avec le... Avec les tiroirs en façade que vous pouvez retirer à chaud. Et... Bon, un autre problème de ce boîtier-là, donc c'est que bah, la seule prise... Enfin, les prises USB qui est en façade, c'est des prises... USB 2, parce que le truc date de Mathusalem. Ce boîtier-là, il a 10 ans, en fait. Et c'est pas le truc le plus fifou. Donc, et c'est galère de trouver un boîtier comme ça. Je sais qu'à un moment donné, on m'avait dit « Oui, bah, t'as qu'à prendre les HP microserveurs. Je sais pas si vous avez déjà eu... Quitte à acheter un truc qui ressemble à un PC qu'on peut contrôler soi-même. Je sais pas si vous êtes déjà approché d'un BIOS HP sur des matériels d'entreprise. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai plus envie d'approcher, du tout. Clairement pas. Quand un machin refuse de démarrer parce que vous avez décidé de débrancher le lecteur de disquette qui ne sert plus depuis 6 ans sur la tour et que vous remplacez ça par un lecteur de carte SD qui sera beaucoup plus pratique... Et que le machin gueule parce qu'il trouve plus son lecteur de disquette qui sert pas. Ben voilà, c'est le genre de connerie que j'ai pas envie de voir chez moi. Donc voilà. Donc voilà, ce NAS là me fait quand même bien de l'œil. Pour la blague, je me suis quand même intéressé au processeur pour être sûr de pas me faire planter, hein, comme avec le précédent, finalement, parce que le précédent, moi, j'avais pas trop... J'ai vu le boîtier à l'époque, le NAS, je sais plus, je l'avais acheté 200 ou 300 €, grand max. Grand max, pour avoir 4 baies, et... C'était surtout le fait d'avoir 4 baies, en fait, qui m'intéressait. Il y avait du gigabit Ethernet, ce qui me suffisait. Voilà, j'étais pas pressé par le fait de... Mais vous voyez ça, c'est grand, en fait, parce que là, ça se trouve, j'ai fait... Attends. J'ai trouvé... Comme je suis complètement... Je me suis pas préparé, c'est infernal. Hop. Crac. Alors, paf, donc ça devrait être plus facile à lire pour vous. Je
Je regarde ça, tout à fait, voilà. Bon, le prix par contre est masqué derrière le chat, tant pis. Heureusement que le chat est à moitié transparent, comme ça vous voyez encore. Bon bref, pour 400 euros, donc je tombe sur un processeur. Alors c'est quand même un processeur qui date, je crois que j'avais vu. Parce que les NAS ont été lancés là, hein, au mois de janvier ou un truc comme ça. Et en fait, le processeur, il date de 2017. Bon. Donc on est quand même sur du ARM V7 qui date d'il y a 6 ans. Alors la grosse blague, c'est qu'il est d'abord fait pour des box, pour de la télé en fait, pour des box TV. Donc c'est rigolo parce que si vous faites de la vidéo avec, il supporte le 4K, machin. Alors pas de la V1, et il supporte le VP9 et les H265, mais... Bon. Voilà, je suis pas... Comment dire? C'est un as, hein, donc ce qu'on veut, c'est la puissance. Ce qui est intéressant, c'est que aussi, c'est qu'Asus a eu le bon goût de... Alors, que 2 gigas de RAM, ça m'emmerde un petit peu pour lancer des trucs supplémentaires, des applis bah, comme Minayo, mais pas que. Typiquement, si je voulais déployer un xCloud, ça commencerait à bouffer de la RAM, en plus de ce que le système lui-même prend. Et 2 gigas, ça commence à être limite, et j'ai pas spécialement envie de m'amuser à lancer un Nextcloud en externe qui serait branché avec un volume sur le NAS, idéalement. Nextcloud comme Minayo, c'est des outils qui gèrent du stockage, autant qu'ils soient au plus près du stockage physique. Et pour l'instant, bah, c'est un petit peu délicat, sinon ça va coûter une blinde, parce qu'en plus là c'est soudé, on peut pas l'augmenter comme... Ça reste une gamme T, les gammes T chez Asus, c'est de l'entrée de gamme, entre guillemets, si vous prenez des trucs un peu plus énervés, vous allez trouver du proso AMD, du proso Intel, vous allez trouver de la RAM qui est upgradable jusqu'à machin, avec des slots de barrettes en sodium, comme sur les laptops, ceux où on peut encore changer là, parce que ça c'est encore un autre sujet aussi, Je continue de galérer très fort à essayer de trouver des références de laptop avec des processeurs AMD Phoenix où tout n'est pas soudé, et notamment la RAM, parce que quand je vois que j'approche actuellement dans certaines situations, je sature, enfin j'approche des 16 Go, parce que j'ai déjà augmenté mon vieux laptop là, qui date de... Technologiquement, il date de 2015, début 2016. La carte mère, elle est tamponnée du 25 décembre. Bon, pas Noël en Chine, hein. Enfin en tout cas pas comme nous. Et du coup, je suis bien content d'avoir pu passer de 8 à 16 gigas de RAM sur ce vieux machin. Et là, moi, bah, si je veux dans le futur passer de 16 à 32, parce que manifestement on n'a toujours pas compris qu'il fallait qu'on arrête de faire des trucs toujours plus lourds, bah, et comme ça arrivera... Je veux pouvoir changer à terme et pas être obligé de prendre 32 gigas tout de suite alors que ça me servira que dans 4 ans. Et ou voire même pour réparer le jour où ça pète, parce que quand ce genre de conneries s'est soudé, le jour où ça merde, au moins d'être un électronicien de furieux, c'est mort quoi. Et donc voilà. Mais bon, donc pour l'instant c'est pas d'actualité, mais ça me rechatouille un petit peu en voyant ces offres là. Mais pour l'instant, pareil, toujours pas d'actualité. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai eu des pings un peu chelous. Mon NAS m'a sorti des erreurs, enfin des alertes avec. J'ai deux disques durs qui sont mis à avoir des. À m'expliquer qu'il y avait des secteurs qui étaient pas bons. Le compteur est monté à 8 sur un, 9 sur l'autre, sachant que les deux disques n'ont pas le même âge. Et en fait, depuis ce temps-là, ça a pu bouger, et du coup, maintenant, le NAS me dit que tout va bien. Parce que les chiffres n'ont pas bougé depuis des mois, et donc du coup, voilà. Bon, bref. Et sinon, l'autre sujet... dont je voulais vous parler et que je vais peut-être tester un petit peu. Alors je vais fermer tout ça, parce que ça sert à rien, machin. Voilà, c'est ça.
Je sais plus pourquoi, je me suis dit, oui, bah oui, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, Free, cette année, enfin là, cette semaine, a présenté sa nouvelle box, dont le nom de code était Freebox V9. Pourquoi? Parce que il y a eu, donc, historiquement, alors pour s'en remonter trop loin, la Freebox Révolution, c'était la sixième génération de box à l'époque ADSL puis fibre de Free. Et après, ils ont sorti la Delta et la POV, donc ça a eu 7 et 8. Et là, ils nous sortent une nouvelle box qu'ils ont appelée la Ultra. Et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais posé la question de pouvoir surveiller ce truc-là dans un outil de monitoring classique. Et aussi cette semaine, en discutant avec mon très cher Arrowan / Guillaume, avec qui on avait passé au moins une soirée entière à réussir à faire marcher ces scripts de monitoring, je sais plus, je crois que c'était basé sur Telegraph. C'était des scripts pour Telegraph et un flux DB. Donc ouais, c'est ça, pour monitorer son routeur chez lui. Donc c'était un petit peu galère de réussir à faire tourner le truc, mais voilà, il avait réussi à avoir dans un Grafana, il voyait sa conso de bande passante entrante, sortante. Et moi je me suis dit, tiens, peut-être que sur Free, il y a moyen, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Freebox Exporter, que j'avais déjà testé à une époque, et que d'ailleurs j'en ai peut-être déjà parlé. Je ne sais plus si j'en ai pas déjà parlé sur le blog. Parce que j'avais bricolé à l'époque, je voulais pas le compiler moi-même, je voulais pas l'utiliser dans Docker, et du coup j'avais extrait le binaire, parce que c'est du goût, donc j'avais extrait le binaire Freebox Exporter pour le déployer sur mon Bastion, pour balancer ça dans du Telegraph. Je me souviens plus si je l'avais fait. Alors dans ça... Ça c'est les trucs que moi j'avais fait à la main, et c'était pour les Freebox V5. Où le seul truc qu'on avait, c'était une URL avec un fichier texte qui était généré dynamiquement. Et donc je scrapais comme un gros dégueulasse avec du Python. À l'époque, je crois qu'on était déjà en Python 3, ou je me souviens même plus. Bon bref, à la fin, voilà, ça donnait des trucs comme ça. On pouvait récupérer, on pouvait graffer le truc. Non, donc du coup, non, je l'avais pas partagé. Bon bref, voilà, j'avais bricolé un petit peu avec ce Freebox exporteur qui était intéressant. Donc un exporteur, oui, on prend les choses dans le désordre. Le concept d'exporteur, c'est quand vous voulez faire du monitoring basé sur un standard qu'on appelle OpenMetrics. Et donc l'idée, c'est que vous avez un petit service que quand vous interrogez ça via HTTP, il va vous sortir des metrics dans un format texte. Donc on l'appelle comme ça sur une URL qui s'appelle slash metrics. Et il va sortir toute une série d'informations avec des noms, les types de valeurs et les valeurs. Et typiquement, c'est quelque chose qu'on a vu très vite apparaître parce que c'est le fonctionnement de Prometheus. Prometheus, comme outil de monitoring, c'est un outil qui va aller interroger ces différents exporteurs pour récupérer les informations et les présenter et les stocker dans une base de données qu'on dit en français, on dit temporaire. Temporel, pardon, je vais y arriver, pour ensuite les visualiser dans un autre outil. Alors soit vous faites ça de manière très basique et Prometheus embarque un metric explorer ou un truc comme ça, où en gros vous pouvez regarder chaque metric indépendamment, et si vous voulez faire des trucs un peu plus poussés, des graphes, vous avez Grafana qui est la Rolls des outils de visualisation.
avec lequel vous pouvez croiser plusieurs sources de données pour faire des trucs vraiment énervés. Voilà, donc ça, ça fait quelques années que ça existe, hein. On voit, ça fait plus de 6 ans, au moins. Et du coup, je vais essayer de me poser la question par rapport à la Livebox. Et pour la Livebox, eh ben, y en a un aussi. Il y a un Livebox exporteur qui est... comment dire ? En vrai, il donne les informations, il donne quasiment toutes les informations qu'on s'attend à avoir, c'est-à-dire que on récupère toutes les métriques par rapport à toutes les interfaces réseau locales. Donc typiquement, moi j'ai une Livebox 5, je crois. 5 ou 6, je sais plus. Non, je crois pas que c'est la 6, ça doit être la 5. J'ai 4 prises Ethernet au cul, plus la prise Ethernet upstream pour la fibre, et plus le modem ADSL, mais il sert pas, et il donne aussi toutes les métriques pour le Wi-Fi. Plus un peu de consommation, mais voilà, il affiche aussi le nombre de périphériques qui est branché sur le... Et donc tout à l'heure, j'ai commencé... Alors par contre... Ça utilise autant pour le Freebox Exporter, le système d'exploitation de la Freebox vous permet de créer une clé d'API sur laquelle vous pouvez gérer des permissions et donc faire en sorte que la clé d'API ne puisse faire que du monitoring. Et globalement, ça marche. Globalement, ça marche pas trop mal. En gros, vous allez dans l'interface, vous cliquez sur créer une clé d'API, il vous demande d'aller mettre le doigt sur l'écran de la Freebox. Et après, il valide et il vous affiche la clé, vous la copiez, vous la stockez de manière plus ou moins propre, et comment ? Et vous pouvez vous en servir pour le Freebox Exporter. Pour la Livebox, comme on n'a pas de système d'API, en tout cas officiel, l'exporteur vous demande directement votre compte pour accéder à la page d'administration de la Livebox. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais en gros, j'ai testé ça rapidos tout à l'heure. Et en vrai, donc en fait, je l'ai... Ah oui, alors celui pour ceux qui veulent aussi, j'ai bricolé un petit peu avec mon terminal pour essayer d'avoir un truc un peu plus joli, c'est rigolo. Mais comment ? Donc pour ceux qui veulent, bon, on est dans Windows Terminal, donc le fond d'écran, c'est une personnalisation de Windows Terminal. J'ai changé la police, parce que si, je sais pas si vous vous souvenez, vous avez, dans les anciens lives, on voyait qu'il y avait des caractères qui s'affichaient pas. J'ai trouvé des informations, alors, c'est pas parfait, mais voilà, j'ai changé de police pour prendre un truc qui était un peu plus compatible avec le fait d'afficher des caractères spéciaux. Et en fait, pour le listing là des fichiers, j'ai installé EXA. Donc EXA, c'est un petit... c'est un petit outil. Alors, il me semble que je l'ai installé via paquet, je me suis pas emmerdé. Hein. Il est dans les dépôts d'Ubuntu, c'est ça. Donc je me le suis installé, c'est pour remplacer le LS original. Et je me suis fait un alias, comme ça, quand je fais ls, en fait, ça lance EXA. Je vais faire ça, est-ce que... Voilà, donc il y a un site web. Il y a plusieurs choses qui sont possibles, moi j'ai choisi certains formats, voilà. Bon. C'est un petit peu déroutant au début, parce que les colonnes sont pas dans le même ordre, et en fait, il n'y a pas de paramétrage pour pouvoir remettre l'ordre, pour essayer d'avoir un ordre qui est dit équivalent. Là, si je fais ça... Vous voyez la différence. Alors déjà, tiens, j'ai pas le groupe par défaut. Tiens, c'est un truc qu'il faudrait que je regarde. J'ai que le proprio, donc ça c'est quelque chose qui manque. Bon après la date est pas au même format, mais honnêtement, moi ça me va. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il prend pas mes options de. Il prend pas ma variable d'environnement d'options quand je fais ça, c'est chaud. Si je le fais comme ça. Non, il en veut pas. Putain, c'est... D'accord. Ok. C'est bizarre, parce que normalement, j'ai...
Ouais, il est censé me prendre ça et en fait le... Ah mais non, je suis con. Oui, bah oui. Si je le fais comme ça devrait aller mieux. Non, c'est pas ça. Ah, le tirer byte, il fait pas partie du truc. Ok, bon, j'ai foutu la merde. Oui, et puis ça marche pas. Bon, bref. En gros, voilà. Non, moi, j'avais un truc qui s'affichait plus ou moins comme ça, avec les dossiers avant. Et la date dans un format particulier. Et là, maintenant, voilà, il s'affiche comme ça. J'avoue que le fait de ne pas avoir le groupe, un peu. Bon, ça manque un peu. Enfin bref, j'ai quand même trouvé que c'était sympatoche. Ça coûte pas cher. Vous installez Fred Memo Linux. Merci pour le follow. Alors, je suis censé avoir une alerte pour le follow. Pareil, ça ne marche pas. C'est un bonheur. Ah, punaise. C'est pas évident, j'ai pas vu. Désolé. Donc voilà. Bref, pour revenir au sujet, oui, le Livebox Exporter. Donc en fait, bah, comme d'habitude, hein, j'ai cloné. Il fournit le Dockerfile. Il fournit même un chart pour le déployer dans Kubernetes. Alors bon, là, je suis en local et du coup, comme je voulais le tester rapidement, je suis passé à la place par un Docker Compose. Plus rapide. En utilisant une variable quand même. Le workdir en slash app, je pense que j'en ai pas besoin parce que j'ai juste foutu ça, voilà. Et donc bah, vous faites un Docker build et puis après vous faites un Docker compose up-d. Donc après vous lui donnez l'URL de la livebox, vous lui donnez le mot de passe. Et donc quand on interroge le curl, vous voyez, voilà, on a le format avec tout le comment. Avec toutes les variables. Et donc, voilà le format. Alors, au début, on a les trucs qui sont liés à Go. Parce que bah, ça, c'est de base, en fait. Quand vous faites le programme, vous importez une bibliothèque qui vous met tous les trucs qui concernent le Go. Et donc, en fait, voilà, le OpenMetrics, le format, c'est ça. C'est du texte, ni plus ni moins. Et en gros, vous avez. Comment? Une première ligne qui s'appelle help, vous avez le nom de votre métrique et en fait la description. On vous dit quel type c'est, donc il y a plusieurs types. Alors il faudrait qu'on retourne voir le standard OpenMetrics. Il y a gauge, il y a count, je crois, un truc comme ça. Gauge, c'est les nombres. Je sais même plus. Je ne sais même plus. OpenMetrics. Oui, mailing list, on s'en fout. OpenMetrics, d'accord. Non, c'est très joli, mais... release, ok. D'accord, et après, tout ça se fait dans le... Ok. Donc voilà, on a gauche, compteur, state set, info, histogramme, et donc ça va dire comment vous traitez le type de. Comment on est censé traiter la métrique quand on le. Quand on l'affiche. Voilà. Mais gauche, c'est ce qu'on va voir le plus souvent parce que c'est un truc qui va mesurer et qui va afficher. Tout simplement. Quand on a un truc de type compteur, généralement ça veut dire qu'on prend pas en compte l'historique ou un truc comme ça. Et donc du coup, voilà ce que je disais. Donc vous avez le type, donc ça redonne, vous remettez le nom de votre métrique, le type c'est, et puis après bah, vous l'affichez comme ça. Et donc généralement, là-dedans, on est censé avoir à chaque fois le. Comment? Alors ça c'est une bonne pratique, hein. Voilà, c'est pas tant le truc, mais vous mettez l'unité là. Donc ça c'est censé être des octets. Voilà.
Et donc ça, quand on le convertit, c'est censé donner quelque chose de significatif. Et donc voilà, c'est ni plus ni moins que du texte. Et donc en fait, votre Prometheus, quand il va scraper ça, il récupère, il crée dans sa base de données des entrées pour chaque métrique qu'il va lire. Et après, vous pouvez interroger ces métriques-là. Et donc là, vous voyez que sur l'interface, il vous récupère tout ce qui est guest, Wi-Fi guest, Wi-Fi privé. Donc ça, c'est le Wi-Fi de base, c'est le vôtre. En 2,4 Go et en 5 GHz, puisque moi j'ai les deux, donc sur les Livebox plus récentes, sur la Freebox V9, etc., vous avez même maintenant avec le Wi-Fi 6E et le 7, vous avez aussi du 6 GHz en plus, vous avez trois bandes. Vous avez des métriques qui concernent tous les éléments d'ADSL, les IPTV, donc vous voyez qu'on a deux flux IPTV possibles, un flux dédié pour la VOD, un flux dédié pour le zapping. Alors ça, je pense que c'est la mire, en fait, sur laquelle vous avez un aperçu de une grille de chaînes de télé avec les mini-aperçus de toutes les chaînes en même temps, où ils ont fait un flux dédié pour ça. Pourquoi ils s'emmerdent ? Internet, multiservice, alors ça, moi je l'ai vu dans la partie One, Ethernet. Le Internet et le multiservice, ils apparaissent presque en même temps. Enfin, en tout cas, je voyais des métriques tout à l'heure, j'avais les deux. Non, c'est Ethernet et multiservice, d'accord, donc j'ai rien dit. Et donc après, vos IP, c'est si jamais vous passez des appels téléphoniques, vous verrez le débit là-dedans. Après, vous avez le truc en VDSL. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en VDSL, on voit que c'est beaucoup moins découpé qu'en ADSL. A priori, ils passent tout en ce qu'ils appellent le multiservice. Je pense que tout est regroupé là-dedans. Donc, quand vous êtes en VDSL avec des plus gros débits, ils simplifient le découpage réseau. Bon, pourquoi pas, ma foi. Et après, vous avez... donc, les ETH, c'est les interfaces réseau. Alors, du coup, le label mériterait un peu mieux, quand même. Mais ça, c'est les interfaces locales. Le WAN, c'est l'interface de sortie. Donc, c'est mon interface à moi. Enfin, c'est l'interface sur laquelle j'ai branché le convertisseur fibre. Et les ETH, c'est les prises internes. Donc, on voit que j'ai que... Alors, j'ai beaucoup d'appareils chez moi, mais on voit que j'ai que trois prises de branchés. Notamment, alors celle-là, on est à 6 mégabits seconde, là actuellement, c'est moi. C'est moi, les 6 mégabits seconde, c'est ce que j'envoie vers Twitch. Donc, parce que mon PC de jeu est directement branché à la Livebox. Les deux autres ports... Alors, il y en a un des deux, c'est un Switch, et l'autre, je sais plus ce que c'est. Un jour, il faudrait que je refasse ma cartographie. Ou que je rebranche un peu les choses différemment, mais c'est peut-être le NAS. Le NAS est peut-être branché en direct. Et comme pour l'instant il fait rien, il n'y a quasiment pas de débit. Et après c'est le Switch. Alors d'ailleurs j'ai dit des conneries. Quand je dis que mon PC est directement branché à la Livebox, c'est faux, j'ai un mini Switch, j'ai un petit Switch sur le bureau. Parce qu'à un moment donné, typiquement, j'ai toujours pas rangé, comme c'est toujours un bordel sous ma télé, j'ai toujours pas rangé le micro-serveur, il est toujours sous l'écran, parce qu'il prend pas de place et qu'il m'emmerde pas, mais il est branché en Ethernet aussi. À un moment donné, j'étais branché en Ethernet aussi avec le dock de mon PC de boulot, mais comme il s'est mis à déconner, j'ai débranché parce qu'il me foutait des boucles un peu dégueulasses. J'ai l'impression qu'il est en train de crever, lui. Et pour ça que je m'en sers plus. Et... Donc voilà. Et donc, au niveau des métriques, vous avez les métriques de réception et les métriques de transmission. Et puis après, y en a d'autres. La consommation CPU, alors le FDS, je sais plus ce que c'est. OpenFile Descriptor. Ouais, alors sachant qu'on gère aucun fichier sur le NAS, enfin sur la box, le fait d'avoir ça, je sais pas s'il y a quelque chose. Le Start Time Seconds. Alors... Ça. ça, c'est... La box a pas redémarré depuis longtemps. Depuis très longtemps.
Là, la quantité de mémoire, ouais. Bon, on n'a pas trop forcément besoin. Et ça, c'est quoi? Requesting machin. Current number of scrapes being served. D'accord, donc c'est le nombre de clients entre guillemets sur l'exporteur qu'on a, donc il n'y en a qu'un. Forcément, c'est celui qu'on vient de cliquer. Et le nombre de fois qu'il a répondu comme il faut. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut donner une idée de l'état de santé de la box. C'est-à-dire que si jamais on le fait tourner, en fait, l'exporteur, il va aller interroger les métriques que quand on lui demande d'aller les interroger. C'est-à-dire que quand on l'interroge lui, hop, il va interroger la box et la box va lui répondre et ensuite il va nous répondre tout ça. Si pour X raison la box répond pas, bah il peut pas nous répondre avec les métriques, donc il va pas nous renvoyer le résultat avec le code 200 qui ont HTTP et le code qui dit que tout va bien. Il va nous renvoyer un autre code. Si c'est 500, ça veut dire que c'est en interne, il a pas réussi à traiter les métriques qu'il a récupérées. Si c'est une 503, ça veut dire qu'il a même pas eu de réponse du côté de la box. Donc ça peut vous donner d'autres indications. Et du coup, alors le problème c'est que pour visualiser ça, bah, il vous faut typiquement un Prometheus sous la main. Et Prometheus, j'en ai plus. J'en ai plus, mais je m'étais dit que j'allais tester un truc en Quick and Dirty. Le problème, c'est que est-ce que. Si je le déploie pas sur mon cluster, parce que j'ai pas envie. Oh la vache. Oui, bah oui, du coup. SDF. List all K3D, SDF install K3D 5.6.0, K3. K3D, je vais en parler dans une seconde. Global K3 et 5.6.0. Avec du Kubernetes en 1.27. Ok. Du coup, K3D, ça vous permet de démarrer un micro-cluster Kubernetes à l'intérieur de Docker, via des conteneurs Docker. On est sur de l'inception, hein, pratiquement. Donc voilà, contrairement à un Minikube qui va vous démarrer une vraie machine virtuelle et ou d'autres solutions du même genre avec du Vagrant, etc., où il vous faut du coup un truc pour lancer des machines virtuelles, là ça part directement dans Docker comme il est démarré. Voilà, cluster create -nodes 1, on va mettre qu'un seul node, hein, je crois. Il me semble que ça marche comme ça. Alors ça, ok, oui. Bah. Puff, 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 ça va être quoi? Pouf, pouf. Alors, c'est tiret A pour un. Ok, tiret A1. L'API port, on va tout laisser par défaut, on n'en a rien à foutre. Le config file, on n'en a rien à foutre. De toute façon, on va quasiment tout déployer par défaut, histoire de faire ça en mode très, très quick et très dirty. Par contre, il y a juste un truc, c'est que. Par défaut, il va aller bricoler pour rajouter le cluster dans le fichier de kubeconfig, et sauf que moi, cp tilde slash point kube config point qui risque de me foutre la merde dans le fichier de conf. Je préfère. Est-ce que j'ai. Oui, bon, bah voilà. No FZS executable found. Ah! Ok.
FZF, nos versions install. Bah ouais, bah alors du coup, pourquoi il... J'ai pas... J'ai besoin de FZF pour... Pour pubctx, c'est nouveau, ça. Eh ben. Qu'est-ce qu'il me fait? Je sais pas ce qu'il est en train de me craver là, le gaillard, mais... Il lance un FZF-version et l'autre il répond pas. Pourquoi? Ah oui, non, mais vraiment, il répond pas, en fait. D'accord. Mais pourquoi il répond pas, ce con? Ah oui, non, mais le problème, c'est que... Si je fais ça, ça va pas marcher. Bon, déjà parce que... Voilà. Unknown command FZF perhaps you have to reach him. D'accord. Ok, donc il y a un truc qui lui a pas plu parce que... Attends, il est où le pire? Il n'y a rien qui peut aller ce soir, hein, c'est un truc de ouf quand même. Parce qu'il y a tous les coups là-dedans... un exec FZF, ouais, mais du coup il cherche Ah, il était de foot là, d'accord. Non, non, mais il est sérieux, mais du coup, il est... Le truc, il est en train de tourner en boucle, c'est ça? Attends, c'est quoi le délire là? Parce que du coup, il me...
l'impression qu'il a merdé un truc. FZF. Ok. Donc en fait, j'ai pas de binaire, d'accord. Mais tu m'étonnes, le truc il est en train de tourner en boucle comme un demeuré. Donc ça peut pas marcher. Ok, donc du coup là, cette fois il l'a pas. On sait quoi se dire. Non, attends, c'est. Putain, je vais y arriver. Donc on a les chim avec FZF en FZF machin Tmux. Ok. Ouais, en fait c'est une dépendance de kubectx le bordel. D'accord. Ok, intéressant. Oui, parce que la liste, elle est récupérée depuis un truc externe. Donc là, par rapport à tout à l'heure où je trouvais... Il y a beaucoup trop de plugins dans ce truc. Il n'y a plus d'install, il n'y a plus de doc, il n'y a plus rien. Ok. Donc là, maintenant, si je fais un SDF... Voilà. On va désinguer le bazar. SDF install. Faire list all. Ah, d'ailleurs, il est même pas à jour le bordel en fait. Ok. 0.46.1. Ah, cette fois, il l'a bien pris. Ok. Oui, en fait, il s'était pas remis comme il faut, le Gaïa. ASDF global.
SDDF0.46.1. Et donc maintenant, si je fais la QTPX, j'ai default. Ok. Et si je fais un QBNS, là il va me retrouver. Ok, tous les bordels. Ah, et du coup, il passe par FZF pour faire ça maintenant. D'accord. Il aurait pu se le mettre directement dans le binaire, c'est du goût. Faites pas chier. Du coup, K3D cluster create-A1, parce qu'on va mettre que nœud. On va dire que c'est cluster 1, et normalement, c'est pas 4S, c'est 4D. Si on fait ça, pouf pouf, on voit qu'il est parti à nous créer un nœud. Je mets qu'un nœud parce que j'ai pas besoin de plus que ça. Il nous rajoute un mini load balancer. Il nous rajoute. Voilà, et donc on voit que mon contexte Kubernetes est passé de default à K3D cluster 1. Et du coup, si on va sur K9S, on a un agent et un serveur. D'accord, donc en fait j'ai deux nœuds. Passé, mais voilà. J'ai deux nœuds, il y a quatre pods sur chaque nœud. Parce que... Pourquoi il y a 4 pods? On a d'un côté on a le metric server et le local pass provisioner. De l'autre côté on a le core DNS et le traffic. Et on a le SVC traffic parce que c'est celui qui permet de sortir. Et on voit qu'on peut taper sur n'importe quelle IP pour le traffic. On n'en a pas trop besoin, mais du coup. On a notre microcluster, donc on va pouvoir tout de suite faire les gros bourrins et aller s'installer un Prometheus à l'arrache. Et on va faire un Prometheus stack parce qu'on est un furieux. Voilà, on va se rajouter le truc. Et je crois que je vais le faire, mais alors vraiment comme un gros sale. Hein, c'est-à-dire que je vais l'installer sans toucher une option. Je vais juste faire un helm install. Donc, du coup, on va l'appeler Prometheus. On lui rajoute ça. Hop, tiret namespace Prometheus, tiret create namespace. Comme ça, il fait tout. Donc là, il télécharge Il télécharge tous les manifestes et normalement il est censé. Il a créé le namespace, on voit qu'il a tous les. Ok. Et tout est lancé. Incroyable. Tout est déjà lancé. Pouf pouf. Et donc là, normalement, il nous dit coucou. On peut faire ça. Voilà. Et donc. Là, à ce moment-là, j'ai donc un Prometheus qui est debout avec deux nodes exporteurs, parce que du coup, il va commencer à récupérer les métriques directement de chaque nœud du cluster, parce que ça, c'est d'abord orienté. La prochaine étape, ça va être d'installer le Freebox exporteur via le petit chart qui est fourni, enfin le Freebox, le Livebox exporteur qui est fourni. Et donc là, vous voyez, si vous faites du développement et on est sous Windows et avec un WSL2 et que vous avez besoin d'un Kubernetes Rapidos, K3D, c'est, je trouve, une option qui est aussi valable, voire plus qu'un mini-cube ou un truc comme ça, puisque ça tourne dans du Docker, certes, mais directement, du coup, dans votre WSL que vous avez probablement déjà.
Et ça évite d'avoir à relancer une autre machine virtuelle comme va le faire éventuellement un mini cube, ou alors si vous prenez des options un peu plus énervées encore comme Rancher Desktop peut-être en alternative, ça pourrait être aussi intéressant. Un jour faudra qu'on teste Rancher Desktop pour voir un peu ce que ça vaut, mais j'avoue que je me suis pas encore penché sur la question. Ayant un vrai Kubernetes sur le réseau local. Là, je voulais pas... Comme là, je vais tout scratcher à la fin. J'avais pas envie de me faire chier, parce que je suis pas fan d'avoir le Prometheus à l'intérieur du cluster. Parce que le Prometheus, donc en gros, il sert à la fois d'agent de collecte et de base de données. Et du coup, qui dit base de données, dit données. Et les données, j'ai pas spécialement envie qu'elles soient enregistrées, traitées, disponibles à l'intérieur du cluster cube, parce que si jamais ça tombe, bah vous pouvez, si jamais le cluster y tombe, vous pouvez plus l'interroger. Ce qui est con parce que c'est votre outil de monitoring. Donc du coup, je suis encore en pleine réflexion là-dessus, j'ai toujours pas réussi à me poser sur une décision. Et je passe pas assez de temps non plus. Faut dire que bref. Tout ça pour dire, on a notre Prometheus qui est debout, on a un Grafana qui est déployé. Et du coup... merde. Hop. Il me semblait qu'on avait plusieurs trucs, check for update true, URL machin, donc on a un Grafana.ini par défaut, qui est celui qu'on va aller interroger, et en fait il va falloir qu'on regarde comment ensuite rajouter des informations sur l'exporteur. Alors c'est pas ce que je voulais voir moi, c'était quoi Grafana data source? Non, ça on les a. On a des data sources qui sont déjà préconfigurées avec Prometheus et compagnie. Alors le problème, c'est que là, comme c'est déjà configuré là-dedans, je sais pas si on peut aller dans le Grafana qui est lancé pour aller rajouter des data sources à la ZUB et que ça persiste. Normalement, oui, mais j'ai un petit... Faudrait revoir ça. Prometheus Kubelet m'intéresse pas. C'était quoi que je voulais voir? Non, c'était pas ça. Donc du coup, ça va être quoi? Ça va être dans les secrets. Admin password, voilà, il m'a généré un admin password, donc du coup il faut que je le récupère. Donc ça va être data.admin.admin password. Ok. Ah, il y a l'admin user, 5 lettres, donc ça va être admin. Je pense. Hein. Alors. Kubectl, on va faire un kubens comme ça sera plus simple. Kubens Prometheus, comme ça on bascule directement dans le namespace Prometheus. Donc voilà, donc mon shell il se met à jour pour me dire on est dans le namespace Prometheus, tout va bien. On va faire un kubectl get secrets et c'est Prometheus-graphana. Donc je pense qu'on a ça. Tirer au YAML, on va revoir. On a tous les trucs en mode data, admin password, admin user. Oui, donc ça c'est admin, je confirme. Je l'ai déjà vu, c'est pour ça que je le reconnais. Du coup, si on va faire un truc, on va faire un truc un peu violent. JSON pass égale. Je crois que c'est point data point admin tiret password, je crois que c'est comme ça que ça se fait, oui c'est ça, et donc là on peut faire un base 64-D, et il s'appelle prom operator, d'accord, donc oui, bon, il s'emmerde pas trop avec le truc. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on accède au Grafana, alors, il faut qu'on accède au Grafana, alors, j'avais pas besoin de toute la ligne, boulet. Le Grafana, il a démarré plusieurs trucs. Ce qui va m'intéresser, ça va être surtout... Est-ce que
Il déclare les ports. Oui, container port 3000, parfait. Donc, il faut qu'on récupère, il faut qu'on expose le port 3000 de Grafana. Donc on va faire ça, CubeCT, le port forward 3000. Et on va reprendre le nom du pod. Donc là, si je fais ça... Ah putain, oui. Okay, donc en fait, il faut que je mette ça. C'est quoi? Du coup, je refais un tir épais, c'est ça? Un truc dans le genre, non? Indirectement, 3000, 3000. Ok. Et donc là, si je fais les choses bien, 127.0.0.1, 2.2, pas 3000. 3000, on a un Grafana, voilà, et donc, le mot de passe, alors, pas besoin d'enregistrer, voilà, donc on est arrivé sur le Grafana, et on va voir que dans les dashboards, on a plein de dashboards par défaut, avec des trucs Kubernetes, node exporter, machin, etc., et donc, on peut aller voir directement, alors dans default, il n'y a rien, dans default, il n'y a rien, c'est normal. Si on va dans kubesystem, on commence à voir des métriques là, du CPU usage, voilà. On voit qu'il a commencé à collecter les choses. Donc l'idée, ça va être d'aller dans un premier temps dans la partie administration. Quoique non, parce que la partie administration, elle ne bouge pas, parce que c'est on va stocker les trucs dans Prometheus. Donc il faut qu'on ait... il faut qu'on se rajoute du coup maintenant. Il faut qu'on se rajoute ça. Il faut qu'on se rajoute ça. Et donc, le problème c'est que, est-ce que si, parce que je crois qu'il a une image publique le gaillard, et je pense que on va se laisser comme ça. Oui, c'est ça. Il a une image qui est publiée chez Google, donc c'est parfait. On va garder tous les trucs par défaut. Je vais juste me faire un... Alors, soit je crée le secret moi-même. Et je le fais de côté pour pas que vous le voyez. En fait, sinon, c'est quoi? C'est ailleurs. Je ne sais plus comment on fait. Service account, on s'en balec. En fait, c'est le admin password value. Ouais, je pense que je vais le mettre de côté, ce truc-là. Alors, je vous demande une petite seconde. Oui, mais non, je crois que dans le chart, en fait, il fait le keko. C'est, il me fout ça en dur dans le déploiement. Si je dis pas de bêtises. Je reviens là. En fait, j'avais cherché un truc. C'est que dans les secrets... Ah non, si c'est ça. Si on le met en value, il le fait là. D'accord. Et en gros, sinon, c'est dans le template deployments. En fait, c'est dans l'environnement. C'est où? Là, ici. Il nous dit, c'est que si j'ai un secret qui ref, je mets le secret qui ref. Pour le admin password, sinon, je mets le... Comment? Je fais le truc. Donc en gros, c'est soit on crée le secret nous-mêmes,
soit on le met dans le fichier values et il va créer le secret avec le contenu du avec le contenu en mettant -admin pour le nom du secret et il va mettre la clé password qu'il aura créé. Ouais, en vrai j'ai la flemme. Je fous ça dans le values, je suis un gros dégueulasse. Jugez-moi, hein. Mais, hop, et en plus, comme il est très compliqué, non, en vrai, c'est surtout que je l'ai trouvé tout à l'heure, donc du coup. Voilà. Je vais remonter. Elm chart, non c'est Elm install livebox-exporter slash livebox-exporter-namespace livebox-exporter. On va faire la même, hein. Create namespace, ça vous le savez. Alors, selon lui, il a réussi à l'installer. D'accord. Ah, l'erreur est pas bonne. Enfin, l'adresse est pas bonne. Ok. Ok, ok, du coup, ça va être là. Alors, comme c'est dans le values... Vim, Livebox Exporter, values, je me remets à côté. Ah oui, adresse, c'est là. http://... hop. 68.1.254. Hop, Elm upgrade livebox exporter. Slash livebox-exporter. Space livebox exporter. Hop. Voilà. Oui, bah oui, du coup. Ok. En vrai, si je tente ça... Oh, il n'y a pas de shell. Ah ouais, d'accord. Donc, on est vraiment obligé d'y aller comme un furieux. Du coup, alors, on va aller sur le service. On a des labels, Kubernetes machin, app Kubernetes IO, meta, Elm chart, ok, voilà. Alors, je crois que quand on a du Prometheus dans Kube, il faut aller créer un service monitor ou un truc comme ça. Hop, il me semble que c'est un truc dans ce genre-là. Ah, ok. Oui, c'est un petit peu con, ça. Ok. Donc moi, j'ai déjà le service Metrics, hein, il me semble. Il me semble que j'ai déjà le service cluster IP sur le port 80. Ok, donc j'ai pas besoin de m'emmerder à faire autrement. Ok. Et si je fais un describe, il pointe sur le 80-80. Donc tout va bien. Tout va bien. Ça veut dire que là, je peux taper. Si je suis un furieux, il me semble que ça peut marcher comme ça. Je tape l'IP du service.
je fais ça comme ça. Et là, vous me dites... non, ça ne marche pas. C'est bizarre, il me semblait que ça marchait pourtant en plus à une époque. Non, ça marche quand t'es sur le nœud, je suis con. Ça marche quand je suis sur le Raspberry Pi, parce que c'est le Raspberry Pi. Mais là, je suis à l'extérieur du conteneur de mon nœud, donc on s'en bat les couilles. Donc du coup, il va me falloir un truc comme ça, un petit service monitor, Raspbull. Oula. Vim service monitor.yml. Voilà, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler Livebox exporter service monitor. Le label, c'est Livebox service monitor. Release Prometheus. Ouais, ok. Match label, il me semble que c'est ça. Le port, c'est HTTP. On va dire que c'est toutes les 15 secondes. Allez, hop. Mais je suis con, il suffit de regarder les... Label app.kubernetes name égale livebox-exporter. Parfait. Ah non, mais si, j'ai pas de label machin. Attends. Ouais, donc faut vraiment que je fasse gaffe en fait. Donc c'est app.kubernetes.io. Ouais, il faut pas que je me plante. Match label app.kubernetes.io slash name, ça marche comme ça. Ouais, c'est ça. Ça va être un truc comme ça. Le port, il s'appelle HTTP dans le service. Voilà. Oh, bah, on est bien, hein. On est pas mal. Ceci dit, il y a déjà Prometheus IO Scrape True. Du coup, est-ce qu'il l'aurait pas déjà identifié? Alors, si on veut vérifier ça. En fait, il faut que j'aille voir CTL getpod. C'est le Prometheus direct qu'il faut que je regarde. Histoire d'exposer le port. 80. Non, ça c'est l'init. C'est un bordel. Container, pouf pouf. Prometheus 249 port. HTTP web. Le port c'est 9090. Ok. Qu'est-ce que j'ai?
j'ai pas de mot de passe pour le... Ou alors c'est le même. Pour le Prometheus et le Grafana, c'est le même truc. Ah ouais, non, d'accord, ok. Ok, ok. Donc du coup, on a directement le... D'accord. Et donc là, je peux éventuellement chercher... Alors, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure quand on avait fait le curl à la main. Hop là, je peux chercher Livebox. Dans les trucs qui m'intéressent, ça va être le One Internet. Donc ça va être ça. Alors, comment ça marche, ce truc-là ? Metric Explorer. Non, il trouve rien, donc c'est bien ce que je pensais. Il faut vraiment lui rajouter le... Alors, est-ce que le service monitor, ça s'applique dans le... Dans le namespace Prometheus ou... Use cube Prometheus stack. Ok. Non. Apparemment, faut qu'on mette. Voilà. Ouais, donc le service, il est dans le namespace, ok. Donc il faut bien qu'on l'applique dans le namespace Prometheus. Ça tombe bien. Nice. Ok, ok. Donc il y a plusieurs... Okay. Par exemple, le Prometheus Grafana. On va regarder un peu à quoi il ressemble. On a des labels, on a une point, on lui dit que c'est un chemin en slash matrix. C'est un port HTTP, il n'y a pas de timeout chez nous. Job label, je sais pas pourquoi il y est. Ok. On a le namespace selector qu'on a dû rater. Non, parce qu'il n'y a pas de namespace selector, il y a juste les match space, les live. Ok. Donc du coup, si je vais voir les logs de Prometheus, il me dit quoi? Ouais, mais il a rien dit depuis tout à l'heure, donc j'ai pas l'impression qu'il est... Config reloader 21h, ok. Donc, non, là il est. J'ai l'impression qu'il a. Alors, soit il nous le dit pas, soit il l'a juste pas vu, tout simplement. Ce qui est un peu embêtant. J'aurais bien aimé qu'il m'affiche une information comme quoi il avait vu le service monitor et que du coup il allait le. Alors, les alertes, il y en a quelques-unes. Ah, on a un watchdog, qu'est-ce qu'il nous dit? State firing, c'est quoi le délire? This is an alert meant to ensure that the entire alert pipeline is functional. Ok, d'accord. Cube controller, cube proxy, c'est normal qu'il gueule un peu. Tous ces trucs-là... Tous ces trucs-là, en fait, comme c'est compilé dans K3S, le scheduler, c'est pareil, il n'en verra pas. Parce que tout ça, c'est dans le même binaire. Donc lui, il est en train de chercher des trucs indépendants, j'ai l'impression. Mais ça, c'est l'Art Manager, donc c'est normal.
Si on va sur les graphes, on a le statut, on a le TSDB status pour voir un peu à quoi ça gueule là-dessus. Tac, 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 on voit qu'il a trouvé. On voit qu'il a déjà collecté 38 000 points hein, sur certains trucs. C'est quand même assez énervé. Là, on a la configuration qui est à la main. Ouais, rien dedans. On a quoi? Cluster namespace, pod memory, d'accord. Workload pod, donc non, ça c'est des trucs génériques. Non, on n'a pas de métrique livebox, hein, donc j'ai l'impression qu'il l'a pas, il l'a pas pris en compte. Oh, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un graphique ben, de ce truc-là. Ça aurait été intéressant. Bon, sinon, sur le wiki, hein, en regardant, voilà, on peut créer des graphes comme ça de consommation. On peut voir des consommations de bande passante, entre autres. Voilà. Mais... En même temps, je m'en doutais, hein, j'essaye de taper à l'arrache comme ça... Là, si on cherche des trucs, on accupe pas d'infos. Ouais. Non mais, ma gueule, il n'y a pas, hein. Oui, non, mais il a quand même vu le... D'accord. Oui, donc voilà, on voit la création du namespace. D'accord, ok. Bon. Là, ça de ce côté-là, il voit bien le pod, il n'y a pas de souci. Putain, je suis un connard. Bon, en tout cas, il répond.
Après, peut-être qu'il faut que je modifie le... C'est peut-être le service monitor qui est pas bon. Et j'avais dit que je serais court et je suis déjà à 22h30. Je suis éclatax. Comment il fait son... Parce que là, c'est vrai que je lui donne pas d'infos sur... sur comment... c'est où? Là, par exemple, j'ai un selector match label et j'ai un namespace selector match name. Je vais peut-être rajouter ça. C'est dans la spec, c'est au même niveau, c'est au même niveau que selector. Merde, je regarde pas le bon truc. En fait, faut que je fasse ça parce que ouais, je m'en doutais. Match names. Hop. Ok, et donc là, au niveau des pods, est-ce que... Rien vu de plus. Rien vu de plus. Donc là, il nous dit absolument rien. Putain, c'est... compliqué cette histoire. Est-ce que... au niveau du pod... Ah oui, par défaut, d'accord, l'exporteur, il met aucun log, ok. Bon, du coup, on est vraiment rendu là, à croiser les doigts pour que ça fonctionne, et on ne sait pas comment ou quand il le dit. Non, toujours pas. On a toujours rien. Oh, chier. Et là, comme je suis tout seul, il n'y a personne pour me dire ce que je fais mal. C'est pas évident. Il y a un spec endpoint machin etc et moi ça je l'ai même pas en fait. Je suis allé sur le ouais bah oui donc évidemment si je fais un boulet si je suis un boulet comme ça et que je mets même pas le minimum
Oh, niveau log, il y a toujours rien. Hein. C'est... Après, je suis peut-être un peu impatient, hein, mais... J'aurais bien aimé avoir des trucs... Là, quand je fais ça... Ah ouais, mais le compteur from HTTP, c'est un compteur local aussi. Putain, c'est pas un compteur... C'est con, là, je continue d'interroger le truc. Je m'en doutais un petit peu. Oui, ça marche mieux. Oui, d'accord. Ok. Donc en fait, non, il n'y a absolument pas de. On voit le nombre de requêtes totales et en fait, le Prometheus le voit pas. Prometheus. Service monitor, on va revenir là-dessus. Alors, hop, un truc meilleur exemple. On a un pod, une application, machin, et on dit. Ah, ça passe par l'opérateur. Ben oui, je suis con. Il nous dit par défaut, gna gna gna, pas slash probtx, port metrix, ok, oui, mais ça c'est d'accord. Mais ça je m'en bats les couilles. Ok, donc c'est avec l'opérateur, c'est au niveau de l'opérateur qu'il faut que je regarde les logs. Okay. Alors lui, il a vu des trucs à 21h35. Il nous dit signe Prometheus, donc c'est qu'a priori, il a vu quelque chose. Là, il gueule sur un stateful set, mais non, ça c'est encore autre chose. Oui, donc là, lui, l'opérateur, il a bien vu des trucs depuis, mais du coup, on voit pas ce qu'il a fait. Alors, il nous dit qu'on peut le voir dans les targets de Prometheus, mais... Ah ! Ah bah oui, là. Ok. Et donc là, il le voit pas, donc en fait, il le met pas. Ah! Donc il nous dit qu'il le prend, il nous dit qu'il le synchro. Et en fait, ça marche pas.
Ouais, c'est ça. Donc, il faut le déclarer dans le namespace Prometheus. On est d'accord? Donc là, il n'a pas bougé. Donc, on est bien sur un truc à jour. Lui dit quoi? Il crée Service Monitor. Le nom, il s'appelle Service Monitor. Il lui met un label. Et il va chercher Match Label Name Service. Donc, en fait, il suffirait juste que je me... Plutôt que je me fasse chier avec ça. Directement ça. Là, 22h42, il nous dit qu'il synchro la conf de Prometheus. Prometheus, il nous dit quoi, lui? Il nous dit qu'il voit toujours pas le... On a un problème avec le label. Il lui manque le job machin, non? C'est pas ça? C'est là qu'on voit que j'ai vraiment pas l'habitude de ça. C'est affreux. Non, ça c'est les... Oui, parce que là il faut que genre... Donc le service s'appelle livebox-exporter. Dans le namespace livebox-exporter. Son port c'est 80, il s'appelle HTTP. Ouais, donc on voit qu'il peut aller récupérer quasiment tout ce qu'il veut. Quoique, hein, hein. Get, list, watch, ouais, c'est ça. Donc il est bon, le gaillard, là. Il peut aller chercher tous les trucs là-dedans. Dans les API group, machin. Ok. Donc non, il n'y a pas de problème de permission pour aller chercher dans tous les namespaces. Alors c'est quoi l'idée là? Parce qu'en fait l'opérateur il me dit qu'il...
L'opérateur me dit qu'il synchronise la conf, mais le Prometheus, ça n'a pas l'air d'en avoir quelque chose à foutre. Bon, et ben ça sent l'échec total. Ça sent l'échec très fort et je vois pas pourquoi. Et si personne est là pour me le dire, je pense que pour ce soir, ça risque d'être très mort. C'est-à-dire que là, mon service monitor, il est là. Faire un truc comme ça, non ? Le namespace, c'est dans Livebox Exporter. Le label, c'est dans... Il est 48, il vient. Putain, faut faire ça. Il est 48, il vient là. Il te dit qu'il synchronise Prometheus. Il n'y a pas de message d'erreur. Derrière Prometheus, le config reloader ne dit absolument rien. Et le Prometheus ne dit rien non plus. Donc. L'opérateur me dit qu'il fait les trucs, mais dans la pratique, il fait rien. Ce qui est pas pratique. Et c'est pour ça que ça se met pas à jour. Alors, Prometheus, config, testnet, mesh, service monitor. Donc pouf pouf pouf, il nous dit j'ai créé nanyanya, j'ai créé un truc machin dans Prometheus. Puis il nous ressort tout ce qu'il a sorti. Donc ce serait lié à la valeur par défaut de... Non, c'est quoi alors? User supplied value. Non, mais c'est. Je veux voir la liste des values qui ont été passées du coup.
Après, j'ai tout fait par défaut, donc c'est peut-être pour ça. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, service monitor, service monitor. Additional endpoint, additional label. Self-monitor true. Metric label, label name limit, bearer token machin. TLS config, target limit. Donc en fait, on n'a pas. J'ai pas l'impression qu'on ait fait grand chose là-dessus. Compliqué, hein. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que j'ai pas de log. Mais en fait, là, il passe directement des trucs dans. Dans son values, et c'est là-dedans où il fout la grouille en fait. En fait, là, c'est tous les trucs où il... Ça, c'est toutes les variables où ils disent qu'ils créent, où ils les activent, et le problème, c'est que les trucs qui se surveillent dans le même namespace, c'est ça qui m'emmerde. Et du coup, j'ai l'impression, soit ils génèrent pas le target, soit ouais, l'opérateur fait pas son boulot jusqu'au bout. Mais le problème, c'est qu'il est... On est sur un mode autiste, là, c'est-à-dire que L'opérateur me dit oh ouais j'ai vu un changement de config, je resynchro la conf. Une fois que l'opérateur il a fait ça, on va voir le Prometheu, c'est le truc qui est censé recharger la config, il nous dit ouais bah je cherche la config et puis on verra bien s'il y a quelque chose. Et puis en fait il reconfigure rien. Alors, est-ce que je peux faire un restart de ça?
peux pas faire un restart du pod, faut que je... Ouais, voilà. On va restart Prometheus, on va voir ce qu'il dit. Pas tout, hein. S'il fait l'autiste, on va voir ce qu'il dit en le redémarrant, mais... Ok, donc là, a priori, c'est bon, donc j'attends qu'il me... Ok, il est passé ready. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah oui, bah oui, parce que le cube CTL, il a... Oui. Hop. Ok, alert manager, API server, kubelet, 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 opérateur, Prometheus, Prometheus, state matrix, note exporter. Et ben non. Bon, et ben vous savez quoi, il est 23h, j'arrête là. Il faut que j'aille manger. Mais bon, l'idée c'est que l'exporteur lui-même fonctionne. Hein, donc vraiment le but du jeu, ça va être maintenant de réussir à lui faire manger ça, et donc ce sera pas pour ce soir. Et puis du coup, bon, on n'aura même pas parlé de Nextcloud. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je pensais que ça allait être assez rapide à vous montrer, comme d'habitude. Hein. Murphy, tout ça, tout ça. Troubleshooting Service Monitor. Oui, bah là, on retombe sur le truc que j'ai eu, donc... avec le fait qu'il visait pas bien le bordel, mais... The release label is important. Ah ! Ok. Bah non, le release, on l'a mis. Attends. Make sure you have the correct release label by checking in the service monitor in of Prometheus itself. Mais on l'a fait, ça. Release cube Prometheus stack. Ce qui nous dit quoi, lui? Non, Prometheus. Attends, non, mais ça, c'est le... Ok, oui. Ça, Meta Kubernetes label release Prometheus. Donc il nous dit c'est dans le. Ah, attends, du coup, ça se trouve, j'ai fait. Je vais garder ça. J'ai fait. On a fait une énorme connerie et. Le machin de Prometheus lui-même. Putain, release Prometheus. Sérieux? Ah ouais, donc en fait c'est ça, c'est que j'ai pas mis le bon... En vrai, si c'est ça, je pète un câble. Hein. Donc là, l'opérateur, il a bien revu, il est... Alors pour lui, il est 22h, oui, parce qu'il est en UTC. Donc là, il nous a bien fait le sync Prometheus, d'accord. Et là, est-ce que le config reloader... Ah, le config reloader, reload triggered, ok. Si vraiment c'est ça, complete loading... Oh, mais non. J'ai lu un truc qui était faux. Et du coup, il va pas l'avoir vu. Putain, il est là. Il est là, il est up. Alors évidemment, si j'essaye de cliquer dessus, ça va pas marcher. Mais du coup, si j'attends un petit peu... La scrape 5 machin, donc en fait, là, ça y est. Là, ça y est, on est censé avoir des trucs. Si je vais dans le Metric Explorer, si je cherche Livebox... Oh, il se fout de ma gueule.
Il se fout de ma gueule. Et donc là, on a le RX. C'est quoi? Ouais. Alors par contre, j'ai l'impression... Ok, interface. Et donc là... Voilà. Oh, c'est pas possible de se rater à ce point-là. Voilà, voilà. Ah, merci. Merci beaucoup. Brain Override, alias Christophe Casalegno. C'est un honneur. C'est un grand honneur. Un jour, il faudrait que j'ai des notifications de ça. Pourquoi j'ai pas... Je vois pas le... Il y a un délire. Je sais même pas quand le message a été envoyé. C'est ouf. Il y a 4 minutes. Ok. Parce que, merci beaucoup. Bah, je t'ai arrivé tout au bout et j'étais en train de pleurer sur du Prometheus. Donc... Je ne suis pas expert sur Twitch, je passe par un autre soft. Oui, mais toi, t'es un bourrin aussi. Tu streams sur tout ce qui peut streamer, donc forcément, je... Je sais même pas comment tu fais... Ouais, voilà, c'est ça. Je sais même pas comment tu fais pour tenir le cerveau de tous les chats, de tous les streams possibles et imaginables. Je me souviens d'une fois où ça faisait pas 2 secondes que t'étais en live, que t'avais déjà du spam sur Facebook, mais ça c'était rigolo. Ils sont tous regroupés, ouais. Effectivement, si t'arrives à faire ça, ça va. Après, si t'as pas de contrat d'exclusivité, bon, il y en a plus maintenant, tu me diras, mais c'est vrai que ça pose moins de problèmes maintenant avec Twitch notamment. Mais ils ont un peu lâché la bride là-dessus, ils ont compris que ça commençait à devenir compliqué. Ouais. Je sais pas si à un moment donné tu... Ouais. Après, quand tu commences à atteindre une masse critique, je sais pas s'ils commencent pas à t'imposer des choses justement là-dessus. À partir du moment où tu commences à avoir suffisamment de viewers et commences à te bassiner... Alors non, c'est pas ce que je voulais faire. C'était quoi? Je voulais rajouter ça. Non, c'est pas un filtre que je voulais rajouter. C'était une requête, carrément. Donc là, si je mets quoi? Livebox. C'était ce que je voulais faire. Interface TX après le RX. Interface. One Ethernet. Donc là, si je fais run machin, j'ai le même graphe sur les deux. Voilà, ok. T'as coupé la monétisation YouTube des vidéos pour l'instant, tant qu'ils balancent pas leur propre pub dessus. Alors, il me semble... Parce que ça avait gueulé, justement, notamment... ou alors, c'est juste sur la longueur des vidéos, mais en gros, avant, les vidéos de moins de 8 minutes étaient épargnées par la publicité, et depuis, ils ont rajouté ce truc-là. Oui, bah oui, voilà, contractuellement, ils peuvent, hein, mais parce que de toute façon, ils en sont... Ils sont plus à ça près. Ok, donc là j'ai bien mes deux graphes, cool. Avec tous les points de collecte, tous les 15 secondes, parfait. Donc ça marche. On finisse tout ça parce que j'ai pas le bon label, le release, c'est affreux. Mais il donne pas l'erreur, c'est ouf.
Donc ouais, YouTube sur la publicité, si... même si on dit qu'on monétise pas, y a rien qui les empêche de balancer la pub dessus juste pour eux ramasser de la thune. Puisqu'après tout, même sur des... pour des gens qui monétisent, et qui se font démonétiser pour X raisons, il y a toujours de la pub sur les vidéos. Juste le créateur de la vidéo touche plus un seul centime dessus. Donc après, c'est pas évident de... Après, il n'y a pas de mystère, hein, de toute façon. Le problème sur YouTube, c'est que c'est la publicité qui paye encore le plus la plateforme. Malgré les chiffres. Donc... Ouais, bah pareil, hein. Moi de toute façon, après, j'ai pas assez d'abonnements d'un côté de l'autre ou quoi que ce soit. Ouais, bah si. Toi, t'as déjà la taille critique pour ça, je pense. Parce que moi, je crois que j'ai même pas l'option de monétisation. En même temps, je dois avoir 30 abonnés sur la chaîne YouTube. Un truc comme ça. 80 peut-être, un truc comme ça. Et si j'avais pas commencé à mettre les replays de live, il y a une vidéo d'autre tous les 4 ans, donc forcément, ça risquait pas de... C'est pas une véritable activité, de toute façon. Donc voilà. Ah oui, non, c'est YouTube, la première vidéo que j'ai mis dessus, c'était des aperçus de glitch sur des maps custom de Call of Duty 2, donc je te laisse imaginer de quand ça date. Après, il y a eu des trucs un petit peu privés, ensuite il y a eu 2-3 vidéos que j'ai pu faire à l'époque pour le blog, sur le... quoi, il y a quoi, démontage de Chromebook, faire un démineur sans mettre les drapeaux, voilà, c'était il y a 10 ans, hein. Il y a la vidéo sur Stylus pour contrôler les interfaces de site web. Et après, ça s'arrêtait là, parce que la vidéo, c'est pas un format où je suis hyper à l'aise. Seulement 5 ans, pas plus. Ouais, je sais plus. Ouais, peut-être bientôt 6, hein, il me semble. Mais... Et un jour, je ferai des miniatures. Un jour. Ouais, alors... Tais-toi. Ils disent il y a 5 ans. Avril 2018. Bon, donc on est bientôt 6 ans, quand même. Hein. Et je l'ai toujours, le gaillard. Il me sert plus, en fait. Hein. Mais il est toujours dans un coin. Je m'étais dit, à un moment donné, que je retenterais peut-être un truc type installation de Debian 12 dessus. Parce que voilà, j'avais mis un Manjaro, mais en fait, il n'y a que 16 gigas de stockage sur ce truc-là, et c'est vraiment limite pour faire quelque chose. L'impression de se retrouver avec le smartphone que j'avais en 2015, où à peine je le démarrais, il gueulait qu'il avait plus de place parce qu'il avait fait la mise à jour des applications. Et... Antix, ouais, peut-être. De toute façon, faut un truc léger. Et après, c'est pas dit que de toute façon, il reste pas des merdes, parce que c'est malheureusement une plateforme qui a toujours eu des problèmes de support sous Linux, y compris ça a beau être de l'Intel, mais c'est une génération où le son avait tendance à déconner, donc ça avait été la galère pour ça. Il y avait eu aussi... J'avais pleuré pour l'accélération matérielle de la vidéo, enfin voilà, il y a eu... Bah, déjà, j'avais pleuré avec ce Chromebook pour réussir à installer autre chose que Chrome OS. Parce que Google a beau utiliser de l'open source à fond les ballons, parce que c'est du core boot qu'il y a dedans, tout est verrouillé, on peut pas le modifier, c'était un pote qui me l'avait... enfin, une connaissance... que je rencontrais souvent au premier samedi du libre à l'époque où j'y allais, qui l'avait carrément pris chez lui pendant plus d'un mois pour aller se brancher direct sur les proms pour aller flasher en dur une alternative au core boot d'origine, histoire de pouvoir booter sur autre chose que le stockage interne. Et au final, le seul truc qui avait marché, c'était un truc un peu custom. Il faut que je boote sur une clé USB pour booter ensuite sur le système interne. Tout un foutoir, et comment ? Ça lui avait pris un mois.
pour réussir à faire, pour réussir à déplomber tout ça. Enfin bref, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Au plaisir de te reparler une prochaine fois. Et puis bonne nuit. Je pense que je vais pas faire long feu. Je vais peut-être même pas manger, ou alors je vais me faire un petit casse-dalle, un petit truc rapido. C'est... Et ça ira. En tout cas, moi, je suis content. J'ai quand même réussi finalement à avoir ce que je voulais depuis sur lequel ça m'a pris quasiment une demi-heure, cette connerie. Mais voilà. Alors que c'était pas censé être le plus dur. Voilà. Sur ce, moi, hop, allez, on fait ça. C'est quoi? C'est ça? C'est ce bouton-là? Je sais déjà plus comment ça marche. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais me... normalement, je vais pouvoir mettre ça ce week-end. De toute façon, tout ça, c'est du temporaire. Je vais scraper, mais je vais tenter de me le remettre en propre pour moi après, plus tard. Ça doit rentrer dans... De toute façon, ça va rentrer dans la réflexion du monitoring de la plateforme. Et comment? Et normalement, bah, la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on essaiera de terminer le Python. Le Python de VH. Quand même, histoire de faire la partie suppression des alias. Maintenant qu'on a fait l'ajout, on va faire la partie suppression. Il n'y a plus grand chose à faire pour ça, du coup. Faut juste que j'ai la liste complète comme il faut dans le fichier avant ça, parce que sinon je vais buter 50 alias de mail et ça va pas être, ça va pas le faire. Sur ce, bonne fin de soirée, bonne nuit. À plus tard sur les internets et à vendredi prochain. Ciao, ciao !